Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Contact Pro Live. Très heureux encore une fois de plus de me retrouver devant vous pour un nouveau numéro où nous allons parler de la République démocratique du Congo. En tout cas, d'entrée de jeu, je veux d'abord remercier tout le monde qui sont en train de m'appeler et qui sont en train de me soutenir sur ce programme que nous avons lancé ici. Ça fait plus ou moins 2 ans. Où nous parlons de la constitution de la République démocratique du Congo. Nous parlons, nous n'analysons pas ou bien nous n'interprétons pas la constitution, mais nous regardons la constitution sous l'angle de l'actualité. Qu'est-ce qui se passe dans l'actualité en connivence avec notre constitution? Je vous rappelle que la constitution, c'est notre texte des lois fondamentales. La constitution que nous avons aujourd'hui, a été agréé, nous l'avons accepté depuis 2006 par un référendum et qui a été conçu par un groupe de gens qui sont venus ici en Afrique du Sud pour justement essayer un peu de réunifier le Congo parce qu'à ce moment-là, le Congo était divisé en 3-4 parties. Alors, la ligne directeur, donc la solution qui a été trouvée était de trouver d'abord un texte fondamental qui pourra réunir le Congolais. Et ça a été fait avec beaucoup de succès. Le Congo a été réunifié. Donc, nous avons cette constitution maintenant, ça fait 20 ans. Maintenant, ce qui se passe dans cette émission, dans cette tranche de magazine où nous analysons la constitution, nous la comparons maintenant avec la situation actuelle. Et nous, ici, à Contact Pro Live, nous avons vu que cette constitution avait beaucoup plus de lacunes à s'adapter à la situation actuelle. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont en train de se passer en réalité qui fait à ce que la Constitution est violée à tout moment, la Constitution n'est pas respectée et le pays tend à s'engouffrer de plus en plus dans des guerres, dans des conflits et il est grand temps maintenant que nous pourrions essayer un peu de regarder si le problème ne vient pas de la Constitution, ou bien même le problème ne vient pas de nous Congolais, dans l'application de cette Constitution. Et nous avons trouvé certaines incohérences qui ne s'adaptent pas vraiment à la réalité du pays. C'est ainsi que nous nous sommes dit, nous allons réfléchir sur cette Constitution. Alors, pour essayer un peu ça, c'était pour vous situer, pour les gens qui viennent renouvellement sur cette chaîne, c'est ça dans la ligne dans laquelle que nous voulons vous expliquer de quoi nous parlons ici. Alors, depuis un certain temps, nous avions lancé cette idée-là de développement du pays par la base, donc en lançant l'appel aux dirigeants et aux gens qui sont au pouvoir, de regarder de ce côté-là, parce que le développement, le contrôle du pays est en train de se faire tout simplement à Kinshasa, laissant l'arrière-pays dans la pauvreté, dans la misère, dans les guerres, dans le terrorisme, et on ne parvient pas à imposer l'autorité de l'État. Et nous sommes dit ceci, l'autorité de l'État ne peut pas venir comme ça dans des discours. Il faut mettre des mécanismes, il faut que le Congolais puisse sentir qu'il est gouverné, qu'il est dirigé. Il faut rétablir cette autorité de l'État. Et nous avions dit qu'il fallait y aller avec le 145 territoires. Voilà, donc ici nous allons parler encore une fois de plus du développement du pays par le 145 territoires. Maintenant, dans l'actualité, aujourd'hui, vous aviez suivi dans le média que le président de la République avait accueilli les députés de 145 du 26 provinces. Ils ont été reçus par le président de la République. Ils ont été dans un séminaire de 2 jours. Alors, nous allons parler de ça. Qu'est-ce qui a fait qu'il y a une dérive? Notre titre, aujourd'hui, nous avions, comme vous l'aviez lu, la dérive de ce projet de 145 territoires. Fatshi a été trompé, donc Fatshi n'a pas été bien renseigné. On va donc en parler dans cette tranche aujourd'hui. Donc, avant d'en aller un peu plus loin, nous allons prendre les grands titres à la une des journaux qui paraît ce matin sur Internet. Et puis nous revenons parler de cette dérive que Fatshi finalement ne sait pas où, sur quel point se vouer.
Voici les grands titres à la une des journaux qui paraissent ce matin sur Internet. Nous commençons par election-net.com. RDC, transformé en vendeur de Saint-Charles, le ministre de l'économie poussait à la porte. Et pour RDC toujours, le ministre de l'EPST sur la sellette de la justice pour faux et usage de faux. On va sur actualité.cd. Ici, l'Assemblée nationale, Jackson Aoussé interpelle le Daniel Osello après le clash avec les députés provinciaux. Et puis sur la route, les routes des ADF en RDC, la désolation sur l'axe de la mort Beni Komanda. On va sur Congo profond. RDC Barrick Gold Corporation s'oppose à la cession de parts de Sokimo à AGN Resources INC. Et puis, mine Barrick toujours s'apprête à générer des flux de trésorerie disponibles futures substantielles. 7 sur 7. Assemblée nationale, une motion de défiance signée par 70 députés déposée contre le ministre de l'économie. Et puis à Dubaï, Félix invite les participants à saisir les opportunités d'affaires qu'offre la RDC. On va terminer sur Radio Okapi, Butembo. Les femmes de Butembo encouragées à s'enrôler dans l'armée. Et puis la CENI et l'ONU évaluent les besoins des défis des contraintes dans le processus électoral. Merci. Et on se revoit prochainement dans un nouveau numéro. Au revoir. Voilà, donc l'actualité, selon nous, elle est prédominée justement par cette conférence de deux jours qui a été appelée par le président de la République. C'était quelque chose que nous appelions depuis longtemps. Les consultations qu'il avait faites dans le temps où il avait créé l'Union sacrée, tout ça. Nous avions déjà parlé de ça. Ceux qui nous suivent depuis un certain temps, nous avions demandé à ce que le président puisse dissoudre le Parlement et qu'il puisse recommencer le pays à zéro, c'est-à-dire appeler les conférences ou bien les états généraux des territoires où les députés actuels, avec les notables et tous ceux qui sont de chaque parti, donc de chaque territoire, d'aller un peu trouver un compromis, de se dire qu'est-ce que nous devons faire. Et dans cet angle, dans cette optique-là, nous appelions directement le président de la République à changer cette constitution, à faire, en renvoyant les députés dans leur milieu d'origine ou bien dans leur milieu naturel, qui sont les territoires, c'était justement pour aller leur demander de s'approprier de leur terre, de s'approprier de leur territoire, et d'analyser quel est le problème réel. Qu'est-ce qu'il faut pour changer le texte? Quelle était la lacune de cette constitution? Et en sortir avec un nouveau texte fondamental que tout le monde se reconnaîtra dans ce texte-là. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des textes qui ne sont pas réalisables. Nous sommes arrivés à un niveau où la corruption a atteint des niveaux impossibles. On met des gouvernements, on met des contrôles, on institue les IGF, tout ça, ça ne marche pas. La politique est en train de nous mener quelque part où nous n'allons pas nous retrouver. Vous voyez aujourd'hui comment le peuple sont en train de se vider du Kasaï pour aller au Katanga. L'exode est vraiment sans nom. Alors, aujourd'hui, nous nous sommes dit, qu'est-ce qui fait qu'il y a dérive dans ce projet-là? D'abord, d'entrée de jeu, je veux essayer un peu de vous lire en parallèle le rapport, parce que nous n'avons pas assez de temps pour que je puisse vous lire ce rapport. Cet séminaire est terminé depuis hier, donc les députés devront en principe rentrer dans leur province d'origine. Vous savez quels sont les problèmes qui se passent dans les assemblées provinciaux. Il y a des motions, les gens ne s'entendent pas, les gens. Donc tout est politisé. Aujourd'hui, on est en train on va élire les gouverneurs de province dans le même pragmatique. Les nouveaux qui viendront, ils vont trouver le même problème. Alors, qu'est-ce qui se trouve dans cet engouement où les gens vont se dire, bon, allons élire de nouveaux gouverneurs, tout ça. Ils vont donner quoi? Est-ce que c'est de leur chair qu'ils vont aller? Ils ont des baguettes magiques à changer les choses? Non, les choses sont plus profondes que ça. C'est maintenant là que nous nous sommes dit,
ça n'a pas d'importance de parler de cette union sacrée. Il faut faire parler la base. Il faut faire participer la base. Il faut que les gens puissent se prendre en charge. Et se prendre en charge, il faudrait que tout le monde se mette d'accord. J'avais dit que la solution à l'est du pays, ce n'était qu'une question de pouvoir. Il y a des gens qui se disent que non. Tant que nous sommes là, nous ne pouvons plus attendre de quoi que ce soit à Kinshasa. Nous devons nous mettre d'accord. Et c'est là que nous avions appelé le président de la République à réfléchir et à y aller dans le sens où il faut que les 145 territoires se prononcent. Ils vont se prononcer sur quelle matière ? C'est sur la Constitution. Ils vont se prononcer sur la Constitution. Aujourd'hui, il y a des personnes qui se disent que non, il faut changer certains textes. Ils ne pensent pas que tout devra être l'implication de tout le monde. Il faudrait que tout le monde puisse se retrouver. Ce n'est pas en donnant au président de la République 7 ans ou 8 ans ou 10 ans que les choses changeront. Les choses ne changeront que lorsque le peuple congolais commencera à respecter les textes. Lorsque le peuple congolais commencera à se mettre d'accord, à vivre ensemble, à se connaître, à connaître qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il a. Maintenant, dans le texte, dans le rapport ici, dans ce rapport ici qui a été fait, vous allez voir que ce sont des utopies. Et certaines personnes commencent à dire que non, Fatia est en train d'être emballé dans une campagne pour qu'on lui donne finalement un deuxième mandat. Fatshi a échoué sur toute la ligne. Toutes les promesses, aucune n'a jamais été réalisée ou à peine réalisée, mais qui n'a pas donné d'impact sur la marche du pays. Écoutez maintenant ce qu'a parlé le vice-ministre, le Dirkaba, du premier ministre Ntamboué, en donnant le rapport final maintenant de ces projet de 145 territoires. C'était pourquoi cette session? Pourquoi est-ce qu'on a appelé les députés provinciaux? On leur a dit, il s'agit de principalement de projets d'investissement, si après la réhabilitation ou l'entretien de 38 936 km de routes et 444 ouvrages d'art, 418 mini centrales solaires, 471 électrifications et tout ça, toute une litanie, une chaîne de promesses que devrait faire ce projet de 145 territoires. Et ils ont chiffré ce projet à 1660 milliards de dollars américains. Pendant que pour l'instant, aujourd'hui, on n'arrive pas à réunir même 10 milliards. Mais il y a un projet de 1660 milliards de dollars. Ça, ce n'est qu'un rêve, ça. Ça, c'est un rêve. Et d'autres personnes à Kinshasa me disent que non. Fatshi est en train maintenant de faire sa campagne pour lui donner encore cette magistrature, donc son deuxième mandat. Nous ne sommes pas contre qu'il puisse faire le deuxième mandat. Mais il le fera comment? Les gens ont sauté sur ce projet de 145 territoires en faisant croire peut-être que c'est ça qui sera le salut du peuple congolais. Mais on n'a pas dit. Ces gens-là, ils sont venus, on les a informés qu'il y aura un projet. Mais quelle sera leur implication? On leur demande de s'approprier de ce projet-là. Pendant ce temps-là, on n'organise pas. Nous, ici, à Contact Pro Live, nous avions dit, nous avions suggéré. Et lorsque nous concevions ce projet ici, de 145 territoires, nous avions demandé à ce que le président de la République puisse se focaliser sur l'appropriation, la rétrocession du pouvoir, la reconstruction du pays en proclamant une 4e République, en mettant en berne cette constitution, en faisant parler le peuple, en disant au peuple comment est-ce que nous allons terminer la corruption, comment est-ce que nous allons rebâtir notre pays sur des valeurs, quelles sont les fondations que nous pouvons bâtir pour que
dans mon deuxième mandat, nous puissions maintenant commencer le développement. Le développement, ça ne se fera pas en construisant les routes. Qui vont rouler sur ces routes-là? Si le peuple ne s'entend pas, si le peuple n'est pas ensemble, si le peuple ne sait pas contrôler, est-ce que nous allons continuer comme ça? Nous continuons à vendre notre pays, à vendre ça aux étrangers. Quelle est l'implication? Quel est l'apport de ce peuple-là? Comment est-ce que nous allons faire retourner le peuple au travail? Quel est le mécanisme que nous allons mettre en place pour que ce projet-là, les gens vont se sentir maintenant capables, ils vont se sentir intégrés dans la reconstruction du pays? Comment est-ce que nous allons rétablir l'administration provinciale, l'administration territoriale, afin que chaque Congolais puisse avoir une carte d'identité? Comment est-ce que nous allons nous y prendre? Il y a déjà à Kinshasa, par exemple, on crée un truc, on l'appelle ONIP, qui va identifier ou bien recenser les Congolais. Ça n'a pas de sens. Et les Congolais ne sont pas impliqués. Or, cette histoire devra être prise en charge par les communautés de base. C'est là où nous nous disons la rétrocession du pouvoir devra se faire par un consensus de tous ceux qui sont dans les territoires en se disant nous sommes ici, voici le projet des 145 territoires. Chaque territoire devra maintenant prendre en réalité les choses qui sont en train de se faire dans nos territoires. Qu'est-ce qui se fait? Qui fait quoi? L'administrateur du territoire sera choisi comment? Nous devrons nous redéfinir dans le texte et dans les consensus, dans les compromis. C'était ça ce que nous avions conçu lorsque nous parlions de développement du territoire du pays à partir de la base. Ainsi s'impliquera un nouveau texte. On implémentera un nouveau texte. Et ce texte-là, ça sera un texte qui sera conçu par le peuple congolais. Je vous rappelle ici, mes chers amis, la discussion du changement de la Constitution n'implique pas tout simplement les juristes. Il y a des choses qui sont naturelles dans les provinces ou bien dans les territoires que nous devons prendre en compte. Et ce sont le peuple qui doivent s'exprimer. Mais nous, les intellectuels, notre devoir, c'est de faire un draft à proposer le chemin par lequel nous allons nous y prendre. Pour que le peuple, finalement, ait la possibilité de dire que non, nous ne voulons pas un président qui a beaucoup d'argent ou bien un président qui fera longtemps au pouvoir. Ça doit venir du peuple congolais. Ça doit venir vraiment de la base. C'est de là où nous nous sommes dit, Fatshi a été induit pratiquement en erreur. Les gens qui ont sauté sur cette idée n'ont pas pris le temps de nous écouter. Lorsque nous avions parlé avec les gens qui ont amené cette idée à la présidence de la République, nous avions dit ceci. Il n'est pas question à dire que nous allons faire ceci, nous allons faire... La majeure partie de ce que nous avions dit, c'est de réconcilier d'abord le peuple à la base, afin qu'il y ait une certaine quiétude, de se rassurer que non, les gens sont ensemble et qu'il y a une nouvelle classe politique qui a une légitimité qui vient effectivement de la base et que la base sache le rôle de tout un chacun dans le gouvernement. Bandeko, botikanga tana lobana lingala awa. Bandeko nabiso ba administrateur à territoire, bazali ebele obaye bakamisala na bangote. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas lu la Constitution? Est-ce que bayebi ba misala na bango bakenda kosala kuna? La plupart d'entre eux, tout le monde se dit bon, soki naza wana na koyeba eloko nini na kosala. Te ezalaka bongo te. Gouverner se prévoir. Il faut toyeba eloko nini nango tozo kende kosala. Programme nini yango awa na kati ya territoire biso tosalaki pour que mutu oto kotia a respecter oto yebisa ki ya sala. Ce qui t'ose ça la ndenge on a te nous sommes à côté. Et cela nous avions conseillé à Fatshi que Fatshi, please, pardon, ton bandela à zéro. Il y a un titre dans mes vidéos que j'avais demandé au président de la République. Please, écoutez, président de la République. Recommençons le tout à zéro. C'est lorsqu'il faisait les consultations populaires, mais les gens qui l'entourent, qui m'ont appelé et qui continuent à m'appeler, je continue à insister que Oyotozo kende aweza débâcle. Exact de bac parce que ba député on a baya ki na Kinshasa ba yebi eloko baya ki ko sala te
Baikika baib sabango ke no projet à 145 territoires ezali tokosale la bino boye tokosale la bino boye to qu'est-ce qui est différent de ce que nous avions toujours eu. Tu vas vendre ici, biso balali ici, biso balobite, bino bo vanda kaka, to tongela bino ba balabala, to tongela bino misala to misale uta kalibanda te. Les gens qui pensent que non, si les investisseurs viennent, ils vont faire ceci. Non, ce ne sont pas les investisseurs qui viennent, ils viennent faire le business. Mais biso e photos à la wana poto tongambo kanabiso, l'état na biso, ce qui to tient ba texte, oh ba tu nyonso tu ba yebi. Administrateur de territoire to ko choisir yendengeni ezala lisusu te ke oh ba gouverneur ba twana baza ba représentant à président de la république te eza bongo te mboka o eza ya biso nyonso tout mboko eza ya mutu te. Et je crois c'est là où nous devons reconfigurer le texte en fonction de ce qui existe aujourd'hui. Ba tu ebele bazo kanisaka ke président de la République nde mutu akosala makambo nyonso tu ye nde mutu akosala boye ye nde akopesa ba instruction boye nde akosala boye te biso nde mutu tokosala ata lobby mais c'est nous qui doit nous approprier. Regardez comment nos entreprises ne fonctionnent pas parce que tout le monde sait que mboka ngwe kufa et lui même le président dit que mboka ngwe si kufa na ngo kala mais qu'est-ce qu'il faut pour que nous tobongisa mboka ngo. Bande komboka e bonga kate sans que administration nango ezo tambola. Et je crois, et je continue à persister à croire que la politique est en train de nous éloigner du réel problème des Congolais. Batu nyonso tu ekomika kana zala boye. Na ko uta poto na kende ko sala musala, nazo kende ko sala musala te, nazo kende ko luka mbongo. La plupart des gens qui entourent le président de la République venus de la diaspora, ils sont venus chercher aussi leur part. Mais bison ba congolais to vanda nanu to solo là. C'est ça le grand problème. Dérive on a zolo ba aweza wapi parce que projet on nenge to conserva ki ango ezala ki te ke to kende ko sala ba pont ba nini te ezala ki nanu to luka to bongisa mboka ango to tia mboka na kati ya nani. Totia mboka na kati ya rai, batu nyoso tuba yeba, nini yango tozo sala, mabele na biso, ezo pesa biso nini, l'ekonomi na biso, sekirite na biso nini, pourquoi batu basimbi mandoki, to benga batu nyoso, ba uta babi manazamba, boya to vanda nanu, to lo bate, mboka oyo ba or, oyo ba minere oyo, richesse oyo ezako bima awa, ifoto yeba ko jere yango nyoso, po to bongisa mboka na biso. Si nous ne faisons pas ça, et que alors, émission elle est là vraiment na lingena za la mulaite parce que beaucoup de gens m'ont supporté sur cette idée en me disant basali yango mabeli suna Kinshasa basi bakosi mokonzi. Idée nengo zolo belango eza idée malamu mais mokonzi basi bakosi akomika ka mutu ba discours. Alors nous nous posons la question. Même si nous supportons le président de la République, pourquoi nous le faisons? Mais il est entouré avec qui? Ba projet ni nango to wiko sala pon po mboka ekende liboso kimoyi biesila.
Il y a moyen encore. C'est pour cela que nous continuons à croire qu'il y a encore moyen de rectifier le tir du président de la République. Dans le modèle, il y a un projet à 145 territoires. Il y a un côté. On est en train pratiquement de vous mentir. Ce n'est pas comme ça que nous avions conçu ce projet. Le projet était. Il faut. Dans l'obité que tombe à coup d'État. Non, préparons la 4e République maintenant. Et président de la République, vous avez intérêt à ce que les gens ba yokana, parce que nabo yokani nabo moko ndeto okende liboso Congo le lui comme chacun pour soi Dieu pour tous. Et mutunyoso, même ceux qui sont en train de dire qu'il faut pas changer la constitution, bango moko bazo yeba que non. Et ba comme à peine tourne na bango na modèle oyo, ba tondi sa ba poche na bango. Mbongo wana eko servir na République té. Les gens, l'argent que les gens se remplissent les poches ne servira jamais à la République démocratique du Congo. Ça ne fera que servir les intérêts personnels de quelques personnes qui vous entourent, qui ont le pouvoir. C'est pour cela. Na ndenge wana o bazako tindika fachi, bazako yebise que non IDPS il faut tozala na ba gouverneur wana bazoke nde kosala nini, bazoke nde peka kabazwa mbongo na tour na bango. Nous sommes prêts à vous expliquer, mais il y a une chose, il faudrait que vraiment beaucoup mis sababilo ko na pas mon conseil. C'est pour cela, nous insistons beaucoup à ce que bandeko obozo ya awa, partagez ba émission na biso. Nous ne sommes pas pour nos poches, nous sommes pour que mboka na biso ezonga finalement na raya développement. Développement ezaka ka ko construire ba route te. Développement ezape ko tia ordre na kati ya mboka. Pour na kozwa carte d'identité, qu'est-ce qu'il faut faire? Toko kende wapi, tozala na base ya batunyo sotu, ya batunyo sotu obaza na kati ya mboka na biso. Armé na biso, sécurité na biso, toko kende na ngone yenini. C'est pour cela, il est grand temps aujourd'hui de changer les dogmes, de changer le paradigme. Il faut absolument to changer babilo ko ebele na kati ya mboka na biso po to zongisa batu bazala na bomoko. Esprit wana ya koloba ke non nga naza ko samisa la ngai na ye awa pona ko salela bino esila na ye ko salela mboka na ye ko tu kokota na system oyo na ko kiko yibate na ye awa po na sala musala oyo population tindinga na sala population ngo tindinga na sala nini eza musala o president tindinga te. Ce n'est pas que le président de la République doit avoir ces gens dans l'intérieur du pays pour quoi que ce soit. Non, il faudrait que ces peuples puissent avoir dans leurs milieux d'origine à réfléchir en se disant quels sont nos biens communs ici que nous devons protéger. Quelle est l'identité congolaise que nous devons protéger. Quelles sont nos économies. Comment est-ce que nous allons assurer nos sécurités ici en province. Rétrocession à pouvoir ezako s'imposer. C'est le moment c'est que nous pouvons réfléchir à rétrocéder le pouvoir afin de terminer les mots qui gangrènent en République démocratique du Congo. Mots à mes gestions, mots à ma guerre, mots à ma insécurité, nous pouvons les terminer. Mais il suffit que nous n'avons pas de territoire, nous vendre, nous sommes solos. Qu'est-ce qui ne va pas? Quel est le problème avec cette constitution? Comment elle ne s'applique pas? Bah tout ce soit zolo, bah kenon, bah texte, tout ça malam ou tout ça. Mais est toujours appliqué en gros n'engénité. C'est comme avoir une belle femme mais qui ne vous donne pas des enfants. Tokotika la kana moi si on a des gens qui ont tobanda ko adopter bah tout. La réflexion sur toutes les matières. Bato baza ko banga ko changer constitution c'est ba bango baza na envie ba ya na pouvoir et c'est le moment que le président de la République doit réfléchir doit se prendre vraiment à s'écarter na batwana baba ba dinosaure wana nyonso tout o ba prédateur nyonso tout baza ko entourer ce n'est pas tout simplement se conseiller et ça même na batu nsuso baza na kati ya ba parti politique même na batu baza na kati ya opposition ils n'ont pas un plan pour que développement et se passer na base. Na modèle au rapport au vraiment bon canisi vraiment que toki ko sala développement pays na modèle au baza ko pesa biso awa. Ne soyons pas trop prétentieux. Mboka na biso bien sûr ezana mbongo ebele. Nous avons beaucoup d'argent, mais cet argent là ne pourra être bénéfique au pays si et seulement si nous sommes d'accord et nous savons qui fait quoi et les responsabilités de qui est de qui.
toko créer ba projet to ebi responsabilité à mututé obo. Vous appelez les députés ici provinciaux, mais pourquoi vous n'avez pas appelé les administrateurs de territoire? Vous parlez des territoires et vous n'appelez pas les administrateurs de territoire. Vous appelez les députés provinciaux. Ataba utaka na ba territoire wana, mais il y a des gestionnaires de territoire. Quel est leur part? Qu'est-ce qu'ils feront dans ce projet de 145 territoires? Et c'est pour cela que ici nous nous sommes dit, le projet ne devrait pas être conçu à Kinshasa. Projet Oezala qui est à la destinée, est à la kaka mot d'ordre lancé au territoire. C'est le pourquoi même y a ba état de lieu à ba territoire. Oh ba tu ba kokende ko vanda na ba territoire donc ba circonscrire ba problème nyoso et puis ba la ki si wapinde to wiko sala ba solution ba ngomo ko ba pesi. So ki ba ngomo ko ba pesi ba solution na e kozala applicable très facilement. Vraiment, je suis très désolé, mais on se retrouve encore samedi prochain, au samedi, au toko expliquer à long et à large, likambo oyo, na émission moko ya moulaï, pour na la kisabino, toko tange la bino rapport na bango, oba lobby, rapport na bango, oba sali lelo, na impact, na ba réaction même, na kotange la bino, na ba email, na ba tweet, oya ba tuwaza kwe bisangai ke non germain, président Lissoussou Bassier ba pakolier. Donc likambo a 145 territoires et ko simba kana ngote. Nous allons encore aller comme ça et puis tozo acheminer kakati. On perd le temps. To kende ti facha ko comme obligé à tricher ba élection. Baza ko ebise que non ba msusu oh non likambo a changement constitutionnel ala na début à mandat. Non. Même au début du deuxième mandat, nous devons nous mettre d'accord, nous devons nous réfléchir. Même si nous remettons ça en 2023 ou bien 2024, les mêmes problématiques to ekosal ekozala kaka. C'est ainsi que je me dis, nous devons commencer à réfléchir maintenant parce que nous n'avons plus le temps. Le président, si vous voulez avoir le deuxième mandat, préparez 4e République to couper ça au deuxième mandat wana. Mais ceux qui Batouba, comme ils se sentir que non, eux-mêmes ils peuvent terminer les problèmes dans leur milieu d'origine. Batouba, territoire Nabango, Bayokani, nous réfléchissons un texte qui entrera en vigueur en fin 2023, donc en 2024, dans le deuxième mandat Nayo. Nous savons que ceux qui ont appliqué l'Oko Oyo, Otozo Lobanandenge, Tozo Kendeleboué, le Congolais va se réveiller très rapidement. Les Congolais vont se réveiller très rapidement en se disant que non, ok, tant que le peuple congolais doit réfléchir, comment est-ce que nous allons résoudre. Likambo a 5 mandats, disons à 5 ans, il y a un mandat président de la République, nous pouvons en parler. Il n'y aura personne qui pourra venir à tripoter Babiloko parce que ça sera la voix des 145 territoires. Vous imaginez? Nani ango ko kende ko influencer batukuna na région teza la seta? Non, nous ferons toutes ces compilations to commune ango na province to sali compilation et puis à ce moment-là nous allons désigner les vrais députés qui entreront en vigueur vers fin 2023. Pour que tout ça, le référendum, toi adopter le texte à Sika. À ce moment-là, les administrateurs des territoires s'approprient, ils auront déjà le programme à le territoire, Babiloko na bango, ils ne pourront plus maintenant se dire que non, tout banda a causé la biloko nyo surtout na Kinshasa. Nous aurons à nous organiser. Quelle sera la place, ba compétence à gouvernement central et Kozalanini, ba compétence à président de la République et Kozalanini, et il sera jugé sur les compétences qu'on les... Et c'est à partir de ces compétences-là qu'on pourra le juger. Ba compétence autopesa kiyo, est-ce que ça l'est là qui en haut? Est-ce que ba compétence osala ki nini? Parce que nous t'avions donné un mandat et nous t'avions demandé ce qu'il faut faire. Chaque territoire est yebi, place nini ba kokoma, dans 3 ans, il faut balabalo et salema. Mbongo ko uta wapi, ça ne sera plus le président de la République qui aura à distribuer l'argent comme il le fait maintenant, comme les cacahuètes. Aza kope sakaba tuba mbongo kaka boyo, projet boyo to sala boyo. Eko si mbate bandeko. En tout cas, je vais m'arrêter là aujourd'hui en espérant que bokozanga te na émission o toko sala samedi. Toko sala ango, nous le ferons le samedi bien sûr, de 13h à 16h.
toko sala émission wana lisusu pona to expliquer comment nous devons aller pour réorganiser la base par les états des liés que nous voulons à ce que le président de la République a initié ba état des liés à ba province ba tuba kende kovanda ba tala na kanakati ya ba miso ba mona na ba tala ba bimo awa problème ezanini. Quand vous écoutez ce que les codeco disent, bah toi bah M23 bah tout nini, bah toi na ce qui baza prêt, y a quoi à vendre na table à koloba. Bino bah tu bokenda Kinshasa, ezekozala sou makambo à Kinshasa te, ezekozala nam dengeni ni tozo gérer bah or na biso kotoyo, dengeni ni tozo gérer administration ya bah territoire na biso. Et quels sont les textes qui nous seront régis ici na territoire? Mutunini a ko contrôler bah police minière bah nini bah police. Nous aurons à organiser tout ça. Voilà un peu l'idée un peu de ce que nous avions dit que président de la République Nazoyo Kamawa pona Mokonziambo Kanabiso, comment est-ce qu'il est en train d'être induit en erreur à chaque fois quand il y a une belle idée au Tozako Bimisa Awa pona Kobongisambo Kanabiso. Alors, on va se retrouver encore une fois de plus demain, si Dieu le veut, dans un nouveau numéro. Pendant ce temps-là, portez-vous bien. Au revoir. Et à demain.